Restons dans le domaine de la pêche pour terminer cette édition. L'hiver, c'est la pleine saison pour le hareng qui arrive au large de la côte d'Opale à partir de novembre. À Calais, l'entreprise Fournier fume, sale ce poisson depuis plus d'un siècle. Les harengs transformés ici viennent parfois de très loin. Mais le savoir-faire de la famille Fournier est bien local. Voilà, donc le hareng arrive directement dans notre congélateur. Il y a 120 ans, son arrière-grand-mère fumait le hareng frais, pêché par son mari. Christophe Fournier, quatrième génération, le fait venir congelé de Norvège. Il nous explique pourquoi. Sur Boulogne, il y a 25 ans, il y avait des bateaux congélateurs qui pêchaient, filetaient et congelaient directement. Alors tout ça pour tuer un ver qui est l'anisakis. C'est une obligation sanitaire. Ces bateaux ont disparu. Donc on ne peut plus acheter, nous, de hareng sur Boulogne, puisqu'il n'arrive pas congelé. Donc notre hareng vient de Norvège, puisque là-bas, le hareng est pêché, fileté ou pas, et directement congelé. Aujourd'hui, le fumage du hareng représente 20% de l'activité de l'entreprise, une entreprise qui s'est développée grâce à ce poisson des mers froides. Après-guerre, le hareng, c'est celui qui a renourri toute la France. Notre entreprise, elle faisait que du hareng, donc du hareng, du keeper et du bouffi. Le filet de hareng est arrivé beaucoup plus tard. C'est vraiment la matière première qui servait à nourrir la France après-guerre. C'était pêché devant Calais, devant Boulogne, et c'était directement fumé. Ça ne subissait pas la congélation à l'origine. Directement fumé, et hop, on nourrissait les gens avec ça. Des harengs toujours fumés au bois de hêtre. Chaque année, 1600 tonnes de filet, 1000 tonnes de harengs entiers, bouffi ou keeper, une question de goût. Eh bien là, on a un bouffi, donc c'est un hareng entier fumé. Et de l'autre côté, on a des keepers, donc c'est le hareng qui a été ouvert en deux. C'est quoi la différence? Là, la fumée est sur la chair, alors que de l'autre côté, la fumée ne va pas sur la chair. Et ici, on a un hareng qui est entier, donc il y a encore la rogue, la laitance, qui plaît beaucoup aux consommateurs. Les amateurs de hareng qui vont le retrouver sous toutes ses formes, alors que la saison du roi des poissons bat son plein.